Salut à tous, c'est Lyon69, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Infinite Warfare. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'épisode numéro 2 de ma série que j'ai commencé la dernière fois, de Clip WTF Fail Troll Camper, tout ce qu'il y a de plus marrant sur Call of Duty. Et comme la dernière fois, je vais commencer sur la map Skydog par un rage kit collectif. Et ce coup-ci, il n'y aura pas 5 joueurs qui vont rage kit, mais bien la full team. Donc nous étions opposés à une team entière. Je ne peux pas parler de ces rage kits collectifs sans vous parler des joueurs qui y ont contribué. Donc nous avions dans la team Hightech le Lion, Evil Boy, Julien71330, Marcus Easy, et le dernier peut-être nouveau joueur de la team, le chef doit décider, il s'agit de Aikova. Et ça devient un peu une habitude en ce moment, on joue souvent ensemble et il y a pas mal de rage kits en ce moment. Hein. Donc en règle générale, j'aurais tendance à dire que les rage kits sont assez réduits sur ce jeu là. Il y a beaucoup plus de campeurs que de rage kits, mais en ce moment c'est vrai que je préfère une petite compilation de rage kits. Mais on va pas trop s'attarder là-dessus, pardon, on va passer tout de suite à la partie campeur. Parce que ça, des campeurs sur Infinite Warfare, il y en a et pas qu'un peu. Et on commence avec un joli noob ici installé avec sa putain d'arme laser de merde. Et pas très fluide en plus de ça, donc je vais gentiment passer devant lui. Enfin voilà, vous avez l'habitude hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de campeurs. Et oh, il y a quelqu'un? Eh ben non, tu meurs. Ensuite, clip suivant. Une nouvelle fois, un campeur sur Mayday. Et oh, bien installé en plus ça. Il est bien installé, mais là, je vais pas tarder à le tuer parce que je savais que l'ennemi arrivait. Et heureusement pour moi, j'ai eu le temps de le troll au bon moment. Ensuite, vacances sur Genesis, les fameux campeurs à la statue. Et lui, ça faisait un petit moment qu'il n'arrêtait pas de me tuer en plus. Donc il fallait que j'aille le chercher. Je me suis mis en invisible histoire de bien sécuriser le tout. Et il n'est pas vraiment très futuiste celui-là aussi. Déjà qu'il a failli se suicider avec sa propre grenade. Mais je vais gentiment faire durer le plaisir, m'amuser avec lui, lui faire des petits coups de tickets parce que ça marche bien sur Call of Duty, il y a des noobs, voilà, c'est la petite période, c'est la petite habitude. Et je lui mets bien évidemment la petite droite. Alors ça, écoutez. Oh, oh, skater, moi j'ai fait. Le magnifique turn sur Hightech le Lion en jeu d'armes avec l'intervention, j'ai adoré. Et je crois qu'il n'a pas du tout apprécié. Ensuite, nous sommes sur prise 5. Un fail, voilà, petit suicide au C4, c'est-à-dire que je balance mon C4 et je tire dessus. Voilà, donc pas très malin Lion quand tu t'y mets. On retourne une nouvelle fois sur Genesis, ce coup-ci, on va y avoir droit à une petite... Quad C4, alors là, Quad C4 sur B, sur Genesis, ça marche tout le temps, je vous la conseille, n'hésitez pas. Ensuite, petit campeur, une nouvelle fois, avec une arme laser, je crois que en fait les campeurs, ils aiment bien les armes laser. Et petite killcam, et oui, sanction, killcam, bien évidemment. Et lui aussi, ça faisait un petit moment qu'il campait là, il m'avait déjà tué une première fois, et moi, souvent, quand il y a des campeurs, je viens tout le temps les chercher, et si c'est en killcam, en plus, c'est tout bénef. Et ça met encore un peu plus d'humiliation. Ensuite, nous sommes sur Frontière et nouvelle killcam avec un joli campeur. Il n'est pas FK, hein. Regardez, il n'est pas FK. Et c'est pareil. Sur Frontière, je vous allez voir, j'ai une belle petite compilation de campeurs. Et voici le premier. Tout le temps, ça campe au fond de leur spawn. C'est quand même incroyable. Et c'est ce qui m'énerve le plus sur cette map, c'est que les mecs campent souvent. Et il y en a marre de ces campeurs sur Frontières. Donc la sanction, c'est bien évidemment le petit coup de poing avec le petit geste, la petite provocation en plus. Ensuite, nous sommes sur Crusher, petit retour sur Crusher. Bon bah c'est pas très vilain, mais c'est une petite quad slow avec triple C4. Ça fait toujours plaisir. Le C4, je vous conseille vraiment pour mettre des nucléaires parce que si vous les posez sur les positions, ça vous fait 100 points par frag. Donc vous avez moyen de débloquer les streaks beaucoup plus rapidement. La preuve en image, encore une petite triple ici sur Skydog. Et ensuite on retrouve sur Precinct un joli petit campeur, épisode je ne sais plus combien, il y en a tellement des campeurs. Voilà, là j'ai un petit peu peur, donc j'ai pas pris de risque, je l'ai tué avec mon arme. Ensuite on est sur Mayday, début de partie. Donc on s'amuse comme souvent sur Mayday et sur les autres maps. Là je suis avec Julien71330. Je lui dis de se calmer un peu parce qu'il avait l'air un peu nerveux.
je suis un peu le malin, et j'aurais pas dû, parce que début de partie, pan, fail, voilà, dans le vide. Alors je tombe tout le temps dans le vide sur Mayday, mais alors là, aussi vite, ça m'était encore jamais arrivé. On est de retour sur Frontière, et je savais qu'il était là, le joli campeur, donc pour pas me faire repérer, j'ai essayé de venir avec la technique de la limace. Je sais pas si vous connaissez ça, cette petite technique, c'est s'allonger et avancer tout doucement en rampant. Et celui-là, il est pas très fut-fut, vous me direz, pas du tout. Donc je vais lui mettre un petit C4. Il y avait déjà son collègue à côté. Et regardez-moi ce noob. Voilà, il se suicide avec mon C4. Et same game, donc dans la même partie, on a le droit à un autre, hein, c'est pas le même, à un autre sur cette caisse. Alors sur Frontière, il y a franchement toute la panoplie, et d'ailleurs on va se terminer là-dessus. On a toute la panoplie des campeurs sur Frontière, je pourrais vous faire une compilation rien que sur Frontière. Malheureusement, pour ce dernier frag, on va me le voler. J'espère en tout cas que cette petite vidéo compilation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un pouce vert. C'était Lou69, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.